Salut les passionnés, merci d'être là pour ce quatrième épisode du Sénégal à Kabakoto. J'y retourne dans moins de 10 jours désormais, bon je suis super excité comme à chaque fois. Vous vous souvenez que j'avais pas mal loupé au petit gibier dans l'épisode 1 et 2 et j'avais fini fort heureusement par installer mon micro S1 et vous allez voir dans cet épisode la différence, ça m'a clairement sauvé le séjour et là je peux vous dire que sans inquiétude il sera monté dessus avant même de décoller. Et justement, donc suite à mon séjour, où vous vous en doutez, j'ai pas mal béni cet outil. Ben en rentrant, j'ai proposé à Endpoint de m'en faire un personnalisé avec le logo Rêve de Chasse. Voilà, c'est fait et c'est même plutôt bien fait. Regardez, le voilà. C'est-il pas beau ça? Donc voilà, je suis vraiment super heureux d'en avoir un pour moi personnellement, bien sûr. Mais je suis aussi intimement convaincu que ça peut intéresser et surtout aider plein de gens. Beaucoup de profils de chasseurs différents. Donc en premier lieu, je pense à ceux qui sont trackers avec des fusils. On a plein qui ne veulent traquer qu'au fusil de chasse. Donc imaginez que vous pouvez avoir maintenant donc, un point rouge sur votre fusil de chasse. Dans le track, à mon avis, ça change tout. Dans un deuxième temps, je pense à ceux qui ont l'œil directeur inversé, qui font des grosses et coûteuses modifications de cross. Vu qu'avec ça, on garde les deux yeux ouverts, bah, vous n'êtes plus du tout affecté par celui qui est directeur ou non. Dans un troisième temps, il y a ceux qui tirent mal, voilà, simplement, en termes de profil. D'avoir un point rouge, ça aide à mémoriser l'avance à mettre quand vous avez un tir qui est réussi. Vous enregistrez beaucoup plus facilement l'avance que vous avez mis grâce au point rouge et du coup, vous progressez beaucoup plus rapidement. Et ça peut aussi intéresser ceux qui, comme moi, en Afrique, avaient un fusil qui n'était pas forcément à conformité. Voilà, donc ça change tout. Donc, pour tous ces profils-là, pour tous ces gens-là, bah, j'ai décidé de passer un peu plus dans la cour des grands désormais, puisque cette édition donc limitée Rêve de Chasse du micro S1 est désormais en vente donc sur le site internet de Rêve de Chasse. J'en avais pas parlé avant, mais je l'avais mis sur le site depuis quelques jours. Il y en a déjà un qui me l'a commandé, et en plus, ce sera quelqu'un qui sera en Afrique avec moi cette année, donc ça va être top. Il pourra vous faire part de son ressenti, ce sera génial. Sans spoiler, parce que je vous en parlerai une autre fois, mais il y a aussi l'Acro C2, voilà, qu'on verra sur mes vidéos progressivement, parce que j'ai un petit peu de retard, mais tout ça, je vous en parlerai une autre fois. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, toujours en 4K. À très vite. Bon, j'ai une sale tête. Petit réveil au matin. Donc là, on est sur un deuxième camp, donc en Casamance. Un endroit où on a dû traverser du coup la Gambie. On a dû retraverser la Gambie, faire la frontière du coup deux fois, du Sénégal en Gambie et de la Gambie au Sénégal. Pour les mauvais en géographie, la Gambie c'est une espèce de bande en plein milieu du Sénégal qui suit le fleuve Gambie. Tenez-moi ça. Manguier. La densité de fleuve, c'est impressionnant. Et voilà, et puis on est allé dans ce camp parce que en fait il y a beaucoup plus de francolins, de tourterelles et de pintades. Donc là ce matin on va faire une petite session petit gibier. À mon avis ça devrait être sympa, on nous a vraiment beaucoup parlé. Les pisteurs s'activent, j'y vais et je vous emmène comme d'habitude. A tout de suite. Bon donc on va chercher les pintades aujourd'hui. On va les chercher là. On va essayer d'en faire. C'est pas facile à deux mais. On les laisse ici. On va faire là-bas et après on revient là. Les patates. Bon, apparemment, ils ont repéré un groupe de pintades là-dedans. Donc, ils se donnent beaucoup de mal parce qu'il y a un paquet de pisteurs qui sont là que pour essayer de nous envoyer des pintades sauvages. Sur deux postés dans la brousse, c'est pas forcément évident. Ta petite perruche là. Bon, on va voir ce que ça donne.
quoi cette scène d'où? Mais qu'il y avait combien de pintades? Vous avez vu ça ou quoi? Ah merde, je pense que c'était... On le verra sur ma caméra de tête. Je sais pas, il y avait 35 ou 40 pintades ensemble. J'en fais une juste devant là. Et Robin, mais ce mec... Je connais pas de mec plus chatard que lui. Il y a quelque chose, c'est systématique pour lui. Bon, je suis content, vous avez ma première pintade en direct. J'en avais jamais tiré. Et putain, et j'en ai qu'une moi qui dévie, qui vient sur moi, lui, il a toute la volée qui lui passe pas loin. J'espère qu'il aura filmé. Et malheureusement, non, il n'aura pas filmé, mais il les a loupés. Et heureusement qu'il y en a une qui dévie, hein. Ma première pintade. Il y en avait plein, il y en avait au moins 30. Attends, mon père, il avait dit. Il fallait pas. Il n'y a que celle-là qui se dévie du groupe. Et tous les autres. Magnifique. Attends, je peux la voir un peu. Et tu vois, je disais que t'étais un chatard, mais. Elle te passe pas dessus finalement? Ouais, bon. T'as déjà doublé? Bah, pff, elle tombait, hein, mais... Tombé. Avec l'aimpoint, on garde bien les deux yeux ouverts et ça va tout seul, même dans le soleil. Tombé. Quoi? Bah attends, je cherchais ma tourterelle. Ah. Super. Merci. Allez, attention, vous allez assister à un débat de haute volée cinégétique sénégalaise. Quick, 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 quick. C'est ce qu'il fait. C'est ça? T'es pas le quick, 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 quick? Ça? Je pense que c'est plus ça. Quick, 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 quick. Ah, tu pourrais être pisteur, toi. Putain. Alpha! C'est ce qu'il fait. Quick, 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 quick. Ça, ce qu'on entend? Ouais. Ils ont repéré un autre groupe de pintades. Du coup, nous on contourne, les trackers sont restés là-bas, les pisteurs. Nous on contourne large. Et voilà, là il est en train de chercher le spot où il a envie de le mettre. Nous voilà postés, les pisteurs vont essayer de nous les rabattre. Et soudain, ça s'agite. Doublé! Doublé, ma cochon! C'était magnifique, hein? À mon avis, la caméra était magnifiquement placée. Vous avez peut-être pas le tir, mais au moins on les voit quand elles arrivent. Et c'est magnifique, ça arrive pas vite, là, elles étaient pas hautes, mais c'était... Du coup, j'ai pas pris celle qui était le plus proche de moi.
que c'est un coup à les louper, du coup j'ai privilégié ceux qui étaient à moyenne distance. Je fais un beau doublé, je suis content. Robin en blesse un sur cette action qui donnera bien du fil à retordre au pisteur. Félicitations gros. Merci Robin. Allez, revoyons ce superbe doublé à la shotcam. Je suis dans la coulée, putain. Ouais, j'en fais deux, je fais un doublé. Ah, il les a. Il les a ramassés. Ouais, et il y a... Robin, il en fait tomber une qu'il ne retrouve pas, par contre, elle tombe loin. Putain, ils veulent pas venir. J'aurais voulu en arrêter une d'un bras. Et on va tomber sur un énorme groupe de singes, des cynocéphales. Moi, mais il y en a plein. Généralement, là, c'est plus. Tu les vois ? Tu vois, Phil ? Putain, il y a un sacré groupe, hein. Tu veux que je les appâte ? Je savais pas que ça c'était à vivre en communauté comme ça. Allez, manga. Coucou ! Tu m'en fais un beau de macaque. Allez, on continue avec une compilation de quelques tirs sur les oiseaux de Casamance. Ah, il passe là-bas. Bien! Phil! Ça part derrière! Dommage, ils sont passés un peu loin là-bas. Oh, magnifique! Et c'est reparti pour la passer. L'autre il a plongé, t'as vu? Et ne vous étonnez pas de me voir taper sur ma crosse à chaque fois, c'est juste pour activer la shotcam. Thank you.
sont loin. Les enfants adorent venir au passé le soir. Ils courent chercher les oiseaux et savent bien qu'ils en garderont pour toute la famille à la fin. J'aime bien les pigeons verts. Et je vous laisse vivre un bel enchaînement. Chaud là. Bien les pitchous. J'ai peu des plumes là. C'était beau là la série là. Encore des plumes. Merci petit. Là, encore, devant toi. Tu vois le petit le sac. Tu veux que je me mette là? Ouais. Attention. Elle est bonne ici, la caméra. Je la fais approcher. Ouais, approche-la. C'est bon? Ouais, c'est bien. Merci.
Ça vous fait peur, hein? Oh! Putain, j'ai tiré tout tordu! Et effectivement. Oh! J'ai tiré tout tordu! Ah, elle m'a niqué. J'étais à côté complet. Et regardez ce qui va se passer lorsque le petit va essayer de récupérer l'oiseau. Ouf. Et on va se permettre une petite plaisanterie. Il me doit deux cartouches, le petit. Il me doit deux cartouches. Alpha, ouais. Je me dis, les petits, ils doivent penser que c'est facile, en fait, de tuer les oiseaux. Ils tombent à chaque fois, man. Et enfin, avant la tombée de la nuit, on attaque la passée au Ganga. Devant. Oh, devant. Doublé! Quel privilège incroyable de pouvoir chasser avec un tel paysage. Là, à ta droite. Où je veux y aller? Voilà les amis, c'est sur ces superbes images de fin de journée de chasse que se termine cet épisode. Je remercie les membres qui viennent de dépasser la barre symbolique des 100. 100 personnes qui ont désormais rejoint la chaîne, ça fait plaisir. Un grand merci à eux et à ceux qui vont le devenir. A très vite. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.